Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Alors tout d'abord, merci beaucoup à Nintendo pour m'avoir confié le jeu en avance. Je peux vous le présenter. Je ne peux vous présenter que 30 minutes et je dois faire des ellipses toutes les 3 minutes. Donc je vais pas commencer une série maintenant sur le mode aventure. On va juste vous montrer, enfin je vais vous montrer juste quelques petites épreuves. Et quand le jeu sera sorti, quand l'embargo sera tombé, je vous ferai une série normale. Sur le mode aventure du jeu. Et franchement, ça fait pas envie la plage. En tout cas, voici le monde central en fait du jeu. On commence directement sur ça. Donc ici, on peut faire des épreuves, partie rapide en multi, partie rapide un joueur, normal, puis on peut parler aux gens. Enfin bon, Mario il dit rien, parce que voilà, Mario il dit jamais rien. Mais là, ils sont en train de construire des trucs en fait. Et donc, au début, on ne peut faire que ça, partie rapide. On ne peut que jouer à des épreuves comme ça, de manière ordinaire. Mais on peut rien faire, on peut pas faire le mode duel, on peut pas faire le mode aventure. On peut rien faire du tout en fait. Tout simplement parce qu'il faut jouer un peu en mode partie rapide pour pouvoir débloquer ces petits trucs. Donc voilà, quand vous démarrez le jeu de votre côté, ne vous étonnez pas si vous ne pouvez rien faire. Il faut juste attendre. Puis vous débloquerez au fur et à mesure les trucs. Voilà, tout simplement. Et voilà, en faisant des parties rapides, on obtient des sauts de parties rapides. Et donc les parties rapides, c'est tout ça, on a toutes les différentes épreuves. J'ai l'impression qu'il y a moins d'épreuves que d'habitude, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'épreuves de rêve. Je crois que les épreuves de rêve ont été remplacées par les duels. On a football, duel de football, rugby à 7, duel de rugby à 7, volley de plage, et duel de volleyball de plage. Donc voilà, j'ai l'impression que ça a été remplacé. Donc j'en sais rien, peut-être qu'il y a plus de trucs à débloquer, je n'en ai absolument aucune idée. Donc on va commencer par un petit duel de football. Et je voulais vous montrer un peu les persos. Il y a que ça comme perso jouable? Non, il n'y a pas que ça. Il y a plein de persos à débloquer, mais au début, on commence avec que ça. Et donc, c'est parti pour un petit duel de football. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que ça change du... Oh là 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 là, les règles. Ok, on s'en fout de ça, je veux les commandes. Donc, attaque plasma, changer de joueur, tirer, tacler, passer, se déplacer. Ok, il est certain que je ne vais pas y arriver. Ok, c'est parti. Donc, l'équipe Waluigi... What? C'est pas Mario, le leader? Ok, si vous voulez, bon, j'ai fait un hasard. J'aurais pas dû. Oh, on peut changer de... Ok, bon, bah alors c'est parti. B, allez, coup d'envoi. Oh, mince. Ok, ça commence très bien. Non, Bowser, c'est pas l'idéal. Mario, vas-y, qu'est-ce que... What? Ok, bah en tout cas, ça commence très bien. Je dois vous dire quand même que l'ordi est en mode facile. Oh, mais c'est moi qui lui dirige lui. Ok, j'avais oublié que je dirigeais Birdo. Oh, what? Comment ça, il fait plus 4? Eh non, Mario, Shadow, vas-y. J'aurais dû avoir des persos rapides, parce que comme je suis mauvais... What? Non mais... Rends-moi ça! Ok, d'accord, rendez-moi ça, là. Oh mon dieu! J'aurais dû suivre un peu plus attentivement les touches, quand même. Alors, c'est pour tirer, d'accord. Ok, j'étais pas sur ça. Comment ça, ils ont déjà 16 points, les autres, là? Pourquoi ça sert le bouton ZL? Ah, c'est pour changer de perso, oui, c'est vrai. J'avais oublié. Et on peut faire une attaque plasma à un moment, mais pas maintenant. Vas-y, Bowser. What? Quand est-ce que je vais... What? L'autre, il est parti dans le but, mais genre... tranquille. En fait, je comprends carrément rien au foot. C'est assez incroyable, hein. Ok. Allez, vas-y, Bowser. Oh, non. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? On était prêt à marquer. Enfin, prêt, tout est relatif, mais... What? T'en es coulé? Mais j'ai rien marqué! Ils ont marqué combien? 20 et quelques? 29, mon dieu! Attaque plasma réussi, attaque plasma... Oh là 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 là! Et moi, j'ai eu 2. Ok, très bien. Bon, je crois que mon équipe, de toute façon, elle est pas super. Quoi? Pourquoi c'est eux qui engagent cette fois? Oh là là! Ah d'accord, on gagne des points quand on les tape! Ah! Il aurait fallu me le dire plus tôt, non? Ok, ouais, mais c'est très bien alors. J'adore ce jeu finalement. Oh là 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 là, viens ici. Enfin, on gagne pas de points en fait, mais on aura plus de points si on marque le but. Si on... Oh là là, je sais pas ce que je voulais, mais... Enfin, si on tape les autres, d'accord. Allez, Waluigi, rapide. Enfin, plus rapide que Wario, ça, c'est pas étonnant finalement. J'ai 12 points de duel. Comment ça se fait qu'ils ont 36 là, les autres? Oh là 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 là, vas-y, Waluigi. Non. Bon. Allez, Mario. Non. Qu'est-ce qu'il fout là? Je contrôle qui? Ah, je contrôle pas celui qu'il faut, mais... Oh là là, non. Qu'est-ce que... J'ai pas bien compris ce que j'ai fait. Mais comment ils peuvent avoir 50 points de duel? Vous rigolez ou quoi? C'est pas possible. Il y a un truc qui est pas normal là dans ce jeu. Wow, d'accord, ok, on peut faire des combos. Ok. Non, bon, je pouvais pas marquer d'aussi loin.
Oh, allez, Mario, oui. Comment je fais pour changer au bon perso? Je comprends pas trop, là. J'arrive jamais à changer au bon perso. Enfin, quand ça me change de perso, ça change jamais avec le perso que je veux. Et bien sûr, je fais toujours des tirs alors que je veux faire des passes. Ça, c'est pas croyable. Ok. Non, mais comment j'ai fait pour rater deux fois, là? C'est pas possible. Yes! But, enfin! Temps additionnel? Non, mais vous déconnez, c'est pas le moment de me donner un temps additionnel, là, parce que c'est les marques qui gagnent. Ok. Oh là là. Non, pourquoi j'ai encore appuyé sur A? Mais sérieusement. Bon, par contre, à chaque fois, je fais remonter la balle tout là-bas, donc c'est pas si mauvais, quand même. Vas-y, Waluigi. Allez, yes. Temps écoulé. Yes! Bah alors, on a gagné? On a gagné le match? Et voilà, victoire, défaite. Ok, bon, bah alors, c'est pas pour moi, le foot, on dirait. On va essayer le duel de rugby à 7, mais je ne pense pas que ce soit bien mieux. Mais pourquoi à 7? Comment ça se fait qu'on soit 7? Je comprends pas. Ok, donc utiliser objet, changer de joueur, coup de pied, passe. Ok, de toute façon, j'aurais oublié ça dans 2 secondes. Yes! Équipe Daisy contre équipe Blaze. Mais on est 8, hein, on n'est pas 7. Ah d'accord, on est 7 dans notre équipe. Ok. Et on peut prendre... Bon, on va prendre les persos Marion, comme d'habitude. C'est parti! Coup d'envoi, allez. Ouah, alors je ne connais pas les règles du rugby, hein, c'est... Il faut taper les autres au rugby ou pas? Je crois qu'on peut. What? Qu'est-ce que c'est que ça qui m'a envoyé ça, là? Attendez, Alors là c'est à moi, ok, bah... What? Oh, je comprends pas, quel est... qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Eh oh. Ok, d'accord, donc, on peut passer la balle. D'accord. Ah, je comprends un peu. Ok, sauf que là c'est trop tard, ils ont gagné. Enfin, ils ont pas gagné, ils ont fait un essai. Ok. Bon, 0 à 10. Mon dieu, grâce au point de duel. Transformation. Non, il loupe. Yes! Quel nul! Enfin, je peux parler. Allez, on avance. What? Ok. Passe, yeah! Wouah! Super arc-en-ciel. Wouah, sérieusement? Mon dieu, mais c'est trop bien ça! Et voilà, on transforme ici. Génial! Allez, transformation. Yes! 15! Ouais, super! Bon, bah alors, je suis quand même meilleur au rugby qu'au foot. En même temps, je connais mieux les règles du rugby que le foot, finalement. Allez, boum boum! Vas-y! Quoi? Yeah! Passe. What? Comment ils ont fait pour la reprendre, là? Allez, boum boum, à toi! Non, mais c'est ridicule, ça, c'est ridicule! Bon. Pitoyable. Non, transformez pas! Oh, bah c'est bon, carrément. What? Carrément loupé! Yes! Je sais pas comment ça se fait, mais si c'est eux qui engagent, j'arrive pas à les rattraper. What? Non, à moi! Allez, passe! Oh là là, passe! Non, comment ils ont fait pour l'avoir? Ok, what? Comment ils font? Mais ils sont magiques ou quoi? Passer. Non! Allez! Non, à nous! Yeah, allez! À nous! Allez, un objet! Qu'est-ce que ça fait? Ok, d'accord, donc ça a viré tout le monde. Yes! Bon, bah, ligne droite, un pépère. Attendez, non. Est-ce qu'on va faire la transformation? Ou peut-être pas. Si, allez, on va faire la transformation ici. Yes! Et c'est... Allez! Top. Bon bah c'est pas si difficile finalement hein, quand on est en plein milieu. Et c'est transformé. Donc on a combien là? Oh mon dieu, on a 55. Bon, c'est bien parti. Temps écoulé. On change. Alors je sais qu'on a un objet, mais je sais pas ce qu'il fait. What? Ok, ça c'est de la triche par contre. C'est de la triche alors que je l'ai fait tout à l'heure. Oh là 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 là. Non. What? What? Oh mon dieu! Ça, c'est de la triche. 40 points de duel! Seigneur Dieu. Loupé. Oh non. Bon, ils ont fait que 5, ça va. Mais mon Dieu, comment ils ont fait pour avoir autant de points de duel? Ils sont pas si mauvais. Allez, c'est parti. Passe. Pourquoi on n'a pas d'arc-en-ciel? Pourquoi? Ah si, enfin, les arc-en-ciel sont... Non, mon Dieu, ok. Je suis allé en plein dans le truc en pensant que c'était un bonus et en fait, non, pas du tout. Ok.
Allez, boum boum. Mon dieu, mais y'a personne de mon côté ou quoi? Oh là 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 là. Allez, reprenez la balle là. Ok, je comprends bien le jeu en fait. C'est cool, j'aime bien. What? Quoi, mais j'ai pris deux objets à la suite et mon invincibilité, elle est morte. Allez, non mais sérieusement, comment ils ont pu louper la balle là? What? Reviens ici, Victor. Mon dieu, c'est pitoyable là. Qu'est-ce que... On n'a pas d'objet? Allez, c'est parti! Ok, bah là, maintenant, c'est tranquille. Bon, par contre, j'arrive pas à faire beaucoup de points de duel, et ça, c'est bien dommage. 13! Yes! Je sais pas comment ils ont fait pour avoir 5, alors que moi, j'ai toujours des bons points. C'est parti! Par contre, ils ont... On a! Ils ont! Non, tout le monde a plein d'objets, en fait, mais... Oh mon dieu, j'ai balancé une carapace bleue. Qu'est-ce que ça fait? Oh mon dieu, sérieusement? C'est trop bien. Ah, d'accord, bon, ça explose aussi sur moi. Ok. Il fallait s'y attendre. Temps additionnel, ok. Si on pouvait ne pas en avoir. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ah, d'accord. Ok. Ah, bah, c'est bon. Par contre, on va encore pas avoir beaucoup de points de duel. Mais les autres, ils ont des billballs et ils les utilisent pas. Pourquoi pas? Bon, j'imagine que c'est la dernière transformation. Allez. Yes! Bon, j'aurais eu toujours beaucoup de points avec mes transformations. Je ne comprends pas bien. Dernière remise en jeu. J'imagine que le temps va bientôt s'arrêter là. Oh yes. Non non non. Allez 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 allez. J'aimerais bien quand même peut-être faire un dernier marquer un dernier. Ah voilà, fin du match. Ok. Bon, en tout cas j'adore cette épreuve. Je sais pas vous, mais j'adore cette épreuve. Bien plus que le foot. Ok, bah repartons au lobby. J'ai gagné 2 pièces et 2 rings. Et le portail des tournois de Rio 2016 est ouvert. Donc c'est ça qu'on pourra faire ensemble, j'imagine. Ça y est, les Jeux Olympiques ont commencé. Cette année, tu vas avoir l'occasion de te mesurer à des Mii venus des quatre coins du monde. Tiens, prends ces tenues Mii en guise de cadeau de bienvenue de la part de Marie et moi. T'as la chance d'avoir des potes aussi généreux. Porte-les fièrement, elles iront très bien avec une médaille d'or. Et si tu veux en changer, passe à la Pousada. Si tu ne sais pas où c'est, cherche Big, un grand costaud violet. Ensuite, une fois que tu t'en tires à l'attaque, rends-toi au portail des tournois et annonce au Todd Bleu que tu viens faire une razzia de médailles. Et voilà. Ok, wow, merci, merci, merci. Voilà, j'en ai assez là. Donc c'est ce truc-là, portail des tournois. Qu'est-ce que c'est que ce truc, nombre de joueurs? Salut, bienvenue au portail des tournois de Rio 2016, je suis ici pour accueillir les nouveaux participants. Si tu finis 3e ou mieux dans un tournoi, tu recevras une médaille. Et si tu tentes de remporter l'or, alors je te souhaite bonne chance. Ok... Quels tournois sont proposés? On peut savoir. Pourquoi ne pas commencer par le tournoi de 100 mètres? Bah écoutez, on peut essayer de faire ça pour conclure cet épisode. Continuez. Ça se trouve, il n'y a pas de mode aventure en fait dans le jeu. Il y a peut-être que ce mode-là, je ne sais pas. La course du 100 mètres est un tournoi fonctionnant suivant le principe des séries. Chacune inclut 8 coureurs et les 4 premiers rejoignent les demi-finales. Ok. Bon, c'est pareil que sur 3DS en fait. C'est cool. Bon, bah alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Bagel fan. Son pays, c'est mon pays. D'accord, je connais pas ce pays. Ok. C'est parti, ok. Ah, on peut changer de tenue ici, heureusement. Ouf. Alors, on a quoi? Bon, on a des tenues qui donnent quasiment rien. Mais on va prendre celle qui donne de la vitesse quand même. Voilà, celle-ci. Même si elle est pas ouf. Allez, épreuve du 100 mètres. Dans le stade olympique. Une épreuve normale. J'adore leur mascotte. Voilà, aux Jeux Olympiques de Rio, je la trouve super mignonne, leur espèce de chat jaune là. Alors, ok, donc on charge avec B normalement, je crois, et on appuie. Ok, voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous faites là? J'ai eu un meilleur départ, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, yes! Bon, bah alors c'était pas bien difficile quand même comme première épreuve. Hein. Mais l'épreuve de 100 mètres, c'est un peu l'épreuve de base de Mario et Sonic, c'est toujours assez simple. Et c'est bon, eux quand ils font des replays, contrairement à la 3DS, ils font pas des replays en 5 frames par seconde. Cool. Alors, retourner à la plage? Ok. Et voilà, disqualifié. Oh mon dieu. Il disqualifie quasiment tout le monde là. Prix spécial, c'est quoi prix spécial? Termine chacune des 3 courses en 16 secondes ou moins. Oh d'accord. Il va y avoir 3 courses? Ok. Bon alors c'est parti. J'ai réussi à me qualifier. Yes. 3 pièces. Ok. Et 3 rings. Bravo pour avoir passé les qualifications, j'espère que tu vas continuer cette lancée et ne faire qu'une bouchée de la demi-finale. Mais oui, bien sûr que je vais en faire qu'une seule bouchée. Parle au touriste surmonté d'un pour obtenir un cadeau. Ok. Allons voir ça. Ah, il est là. Mais arrête-toi, arrête-toi.
Oh, mais il y en a plusieurs en plus. Alors qu'est-ce qu'il me donne là? C'est en gris que les billets de banque avec la plus grande valeur jamais imprimée furent produits. À l'époque, notre devise était le pengo. Même s'il ne fut jamais en circulation, ce billet avait une valeur de 100 millions de milliards de pengo, soit 21 zéros après le 1. Ça fait vraiment beaucoup. D'accord, très intéressant. Et maintenant, j'ai eu le drapeau de la Hongrie, yes! Et toi, qu'est-ce que tu veux? De nos jours, beaucoup d'hommes portent des cravates, mais tu sais que cette mode vient de Croatie et qu'elle fut inspirée par une sorte d'écharpe? Les cravates, c'est classe, et les jeux sont l'occasion parfaite d'en porter, mais par cette chaleur, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Oh, la Croatie, merci. Et qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Sais-tu que la capitale de la Grande-Bretagne habite le deuxième plus long réseau de transport en commun du monde, le fameux Underground, le métro londonien? Il s'agit du moyen le plus simple de se déplacer en ville. On y entend souvent « mind the gap », ce qui signifie « fais attention à la marche ». Ah bah c'est pareil en France, à Paris. Et voilà, la Grande-Bretagne. Eh mais c'est trop cool ce système. Oh mais il y en a plein en plus. Qu'est-ce qu'il veut lui? La Suède est un pays d'Europe du Nord situé en plein milieu de la péninsule scandinave, juste entre la Norvège et la mer Baltique. C'est un pays vaste, mais 90% de ses quelques 9,5 millions d'habitants vivent dans le sud du territoire, afin de se préserver des températures glaciales qui sévissent au nord. Et je n'exagère pas, figure-toi que la Suède s'étend au-delà du cercle arctique, tu imagines? Brrr, je grelotte rien que d'y penser. Eh, mais voilà, apprenons les pays avec Kirbendo. Et lui le dernier. La Norvège est un des plus grands PIB du monde. C'est un pays assez riche. C'est en partie grâce au pétrole et au gaz naturel que l'on exporte. On a plutôt de la chance. Nous produisons aussi notre propre énergie. Si seulement toute cette richesse pouvait atterrir dans mon porte-monnaie. Atterrir? Ah oui, enfin si elle pouvait atterrir dans le mien. La Norvège, cool. Mais attendez, mais il y en a plein d'autres là, c'est un déluge ou quoi? Bon, je vais parler à tout le monde, mais je vais peut-être pas vous lire tout. Ah, bah c'était l'Éthiopie. Ok, maintenant je le saurai. Et qu'est-ce qu'il fait la snake dans le sable là, ici? Oh, il en sort quand même. Ok, Hong Kong participe aux Jeux Olympiques depuis 1952, époque à laquelle elle était encore une colonie britannique. Elle fut restituée à la Chine en 1997. Elle dispose de sa propre équipe, différente de celle de la Chine, bien qu'elle participe sous le nom de Hong Kong-Chine dans les Jeux de Sydney de l'an 2000. Du coup, son drapeau est celui de la région administrative spéciale de Hong Kong, et non celui de Chine. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de manifester parce qu'ils sont pas contents que le nouveau Pokémon il soit en chinois simplifié, et en mandarin, et pas en cantonais. Bref. Tiens, je t'offre une astuce pour la peine, et même une astuce pour passer toutes les astuces en revue. Il suffit de consulter la section collection lorsque tu es à la Poussada. D'accord, donc de temps en temps, ils ne nous donnent pas de drapeau, mais des astuces. Ok, bon à savoir. 40% des terres thaïlandaises sont cultivables. Et vu notre climat tropical, on fait pousser beaucoup de riz dans notre royaume. Le pays est aussi un grand exporteur d'ananas. Ce fruit tropical qui figure sur tous les buffets d'hôtel vient sûrement de chez moi. C'est trop bon. D'accord, moi, depuis que j'y suis, j'ai pas encore mangé d'ananas. Mais j'ai mangé beaucoup de mangue. En tout cas, wow, j'adore ce genre de système où on a plein de récompenses quand on fait un truc. Bon, continuons le tournoi quand même. Allez, la demi-finale. Vous êtes prêts? Moi, je me sens prêt. Allez, représentons la Thaïlande correctement. Top, allez. Ok, non mais arrêtez là, ils vont trop vite pour moi. Oulalalala. Ils commencent à devenir des adversaires de plus en plus redoutables, même si j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'attaque spéciale. Enfin, ils n'ont pas de coups spéciaux en fait. Ils avancent, mais c'est tout. Bon, ok, alors tant mieux. Je pense que j'ai ma chance pour la finale. Je sais pas, mais je pense. Et voilà, plein d'éliminés. Donc il en reste plus que... Mais on va être 8 pour la fin. Oh là 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 là, ça commence à devenir chaud, les amis. 3, ok. Donc je pense que ça permet d'acheter des trucs, mais je sais pas encore quoi. Belle performance pendant la demi-finale. Continue sur ta lancée jusqu'en finale. Oh, fais-moi savoir quand tu voudras commencer. En attendant, tu peux aller discuter avec les gens qui se trouvent sur la plage, si tu veux. Et regardez, pendant ce temps, ils ont presque fini la construction. Ils auront peut-être fini après la finale. Et allez, on croise les doigts pour la finale. Alors je voudrais quand même en profiter pour dire que ce jeu est magnifique. Je le trouve magnifique. Les graphismes sont géniaux. Je suis bien content de l'avoir parce que la version 3DS m'avait un peu déçu, mais celle-là, elle est vraiment géniale. D'ailleurs, si vous avez hâte pour la suite de la série, laissez un pouce bleu, plein de pouces bleus, et partagez cette vidéo à tous vos amis. Alors, à vos marques. J'espère que vos pouces bleus vont m'encourager. Allez, c'est parti. Oh mon dieu. C'est un peu plus dangereux là. Allez, l'autre, il est derrière moi. C'est bon. Ouais, à partir du moment où on fait ça, on est sauf. Yes. On vient de remporter la finale 200 mètres. Yes, trop bien. Bon, qu'est-ce qu'on va gagner? Et voilà, le podium. Ils sont bizarres là, les bonhommes à côté là. On dirait que je suis le seul normaux. Vous vous rendez compte? J'oublie comment parler la France maintenant. Alors, médaille d'or, niveau 1. Ok, d'accord. C'est moi qui suis niveau 1? J'ai pas trop compris. Ok.
Et voilà. Comment ça, ils sont trois? Ah bah oui, oui. Or, argent, platine. Et les adversaires redoutables, là, ils ont rien gagné? Bon, on dirait. Yes! Merci! Y'a de quoi être heureux, là. Y'a de quoi être fier. Mais il me les faut toutes, les médailles. Hein. 15! Eh, hey, cool! Wow, tenue de course blanche, ok. Quelle course effrénée! Bravo! Tu as terminé le niveau 1 du tournoi de 100 mètres! Viens me parler pour participer à un autre tournoi, ou adresse-toi à Orbot ou Cubot à gauche pour faire une partie rapide. Tu peux maintenant afficher le menu raccourci en appuyant sur le bouton correspondant. Donc si j'appuie sur plus... D'accord, on peut aller directement dans les modes de jeu sans avoir à aller marcher sur tout le truc. Ok, c'est cool. Bon, bah alors si j'ai bien compris, on a fait le niveau 1, mais il y a d'autres niveaux. Eh, mais c'est bien cool, le jeu a l'air d'avoir quand même une bonne durée de vie. Pour finir cette vidéo, je vais quand même vous montrer l'écran de collection parce qu'il est assez cool quand même. J'adore les collections, c'est justement ce que je préfère le plus dans les jeux vidéo, donc je suis bien content qu'il y en ait dans les Mario Sonic. Donc palmarès, c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est les médailleurs que j'ai gagnés dans les épreuves. Donc apparemment, ce seraient toutes les épreuves du jeu. Ah bah c'est bon. Ah non, en fait, il n'y en a pas tant que ça, c'est juste qu'il y a 3 niveaux à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Ça va faire quand même une sacrée durée de vie pour avoir les médailles de tous les niveaux, pour toutes les épreuves. Cartes, qu'est-ce qu'on a là dans les cartes? C'est quoi les cartes? Moi, je connais pas ça. Cartes épreuves. Ah, c'est des cartes d'astuces. Ok, d'accord. Ok, cool. Et les drapeaux. Ah oui, les drapeaux, ça... Oh, j'ai le drapeau de la Thaïlande, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah bah ok, ils nous donnent juste les astuces qu'ils nous ont dit. Ok, donc on peut quand même revoir les astuces, c'est vachement cool. Par contre, on a... Ah, ça doit être des drapeaux pour les personnages. Par contre, il y a un truc, je ne sais pas comment... Ah, des tampons, ok. Je ne sais pas comment débloquer de nouveaux personnages. Je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas encore. Donc, on creusera ça pour la prochaine fois. Hein. Je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Personnaliser son vie, ok, et bien voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode, ce premier épisode de Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus et on se retrouvera, eh bien, le 22, je pense, pour un nouvel épisode de Mario Sonic. Je vais pas le redire, si je peux, Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Salut tout le monde et à la prochaine!